Bonjour tout le monde, ça y est, nous nous retrouvons pour notre nouveau live. Je sens que ça va être chaud aujourd'hui. ça y est, bonjour, bonjour. Je vois que j'en ai raté déjà plusieurs. Alors, je crois avoir vu Cathy, Mumu, Nathalie, Martine, Sandrine, coucou Ticia. Elle a peur. Non, j'ai pas peur! Quoique, peut-être un petit peu. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Coucou Dominique. Bonjour Martine. Ah, j'espère que vous allez bien. Je reprends mon souffle. J'ai encore fait une mission taxi là, vite fait. Alors, voilà. Bon, on ne dira rien. J'ai pas roulé vite. Non. Oh, on va pas le dire. Coucou Martine. Coucou Cécilia, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. On est mercredi, il est 14h. Coucou Fatou, ça va et toi? J'ai mes commentaires là qui ont l'air à peu près de fonctionner aujourd'hui, donc c'est super. Bienvenue tout le monde, je sais que la grande équipe est présente aujourd'hui. Coucou Crapouillot, je suis contente de vous retrouver tous là, ça me fait super plaisir. Si vous nous rejoignez surtout pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Coucou Karine! Et que voilà, ça sera une petite heure agréable en ma compagnie et en la compagnie de tous les participants à ce live. Coucou Magali! Oui, ça me fait trop plaisir. Je ne trouve pas ma petite Fabienne. S'il y en a une de vous, les filles, qui peut la taguer, parce que je crois qu'elle ne voit pas le live. Ça serait cool. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ce live, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis, à vous tous et toutes qui regardez ce live, si vous prenez du plaisir, si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, pour me donner un petit coup de main. Ça sera vraiment adorable de votre part. Coucou Rachel! Merci les filles d'avoir tagué Fabienne, je crois qu'elle a un bug, mais je suis sûre qu'elle va y arriver. Coucou Martine, bonjour Lucie. Oui, Crapouillot, on est contente de te revoir aussi, ça fait trop plaisir. Ah, ça y est, Fabienne est là. Super. Je pense que l'équipe est au complet. Alors, pour les nouveaux, chaque semaine, j'ai toujours mes petits fidèles, des gens qui sont devenus... presque des amis, on peut dire, des filleuls aussi. Voilà, et c'est une sacrée équipe, croyez-moi. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance de les avoir chaque semaine ici. Oh, puis le reste du temps aussi, hein, sachez-le. Mumu, tes nouvelles, bah voyons la bonne blague. Je vais me présenter quand même pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Harmonie. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis janvier 2020. Mais je ne suis pas que ça, hein. Je suis aussi maman et belle-maman de quatre ados en puissance. Je vous laisse imaginer mon quotidien. C'est assez folklore. Mais bon. Oui, des amis, ma Cathy, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai, on est devenus des amis parce qu'on partage beaucoup de choses, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, j'ai plongé dans l'aventure Stampin' Up en janvier 2020 et je ne l'ai plus quittée à tel point que j'en ai fait mon métier principal et ça m'a changé la vie. Justement, je vous dis ça parce que vous le savez peut-être ou pas, nous sommes dans la période de la Celebration en ce moment et elle se termine demain soir. Donc, ça signifie qu'il vous reste quelques heures encore pour profiter des cadeaux qui vous sont offerts des 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros. J'espère que ce n'est pas un départ Space Mountain. Non, t'inquiète, ça va le faire. Voilà, donc plein de cadeaux à gagner dans la brochure Celebration que vous pouvez retrouver aussi sur mon blog. Et puis pendant cette période, Stampin' Up vous offrait un petit cadeau supplémentaire, enfin un gros cadeau d'ailleurs. Un lot tampon perfo ou tampon poinçon si vous entrez dans l'aventure Stampin' Up. Donc si l'envie vous titille de rejoindre mon équipe, ça sera avec grand plaisir, je vous accueillerai. Vous verrez, les membres sont vraiment tous adorables, les membres de l'équipe, c'est vraiment des amours. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez encore
la possibilité de profiter de cette promotion. Rachel, des problèmes de connexion. Ah ouais, je suis désolée. Essaye peut-être sur une tablette ou sur un ordinateur, ma belle. Peut-être que ça le fera mieux. Alors, la suite des infos que j'ai à vous donner avant que nous démarrions le vif du sujet, c'est-à-dire le projet créatif de cette semaine. Vous avez également jusqu'à demain maximum pour vous inscrire à la CROP que nous organisons donc avec Aude Barbara, alias Miskra, ma marraine. Nous organisons donc une CROP sur une journée le 6 novembre. Donc vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire et nous faire parvenir vos règlements. Voilà, nous passons les commandes en fin de semaine. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est sur les tablettes, sur la tablette que tu as un problème, Rachel. Bah, essaye peut-être sur PC ou sur téléphone, peut-être que ça marchera mieux. Coucou Karine, tu vas bien? Coucou Émilie. Depuis le déménagement, t'as plus internet. Oh, aïe aïe. Galère, galère, ça. Bon courage, ma belle. Et vive la 4G. Les deux projets, les deux collections que j'adore. Cathy, ouais, je suis sûre que ça va te plaire, ça c'est sûr. Je vous ai aussi proposé à l'occasion de la nouvelle année Stampin' Up qui commence pour nous le 1er octobre. Et donc à cette occasion, je vous ai proposé, j'ai ouvert deux nouveaux clubs. Le club des Unis, voilà, pour mettre en valeur la coordination des couleurs offertes par Stampin' Up. Donc vous avez la possibilité d'acquérir tranquillement et avec des avantages les pâtes d'encre, les papiers unis. Et vous pouvez aussi, si vous êtes un peu gourmand, choisir l'option DSP. Voilà, ça vous permet de compléter vos collections au fur et à mesure, puis en pouvant bien sûr bénéficier de petits cadeaux chaque mois, puisque chaque mois une personne sera hôte ou hôtesse. Oui, coucou Chantal, il n'y a pas de souci, bien sûr, il y a toujours le replay, pas de problème. Le deuxième club, c'est une version que je me suis amusée à appeler version 2.0 du club des Blends. Cette fois, c'est un club de 5. Et ça vous permet d'acquérir les feutres à alcool, mes chers Stampin' Blends. Pareil, tranquillement, au fil des mois, pour avoir les collections. Et puis toujours un petit cadeau à la clé. Donc du coup, voilà le nouveau club. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, samedi, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la grande fête samedi, c'est la journée mondiale de la carterie. À cette occasion, j'organise un atelier gratuit en Zoom à 10h pour réaliser une douzaine de cartes avec 6 modèles qui va nous permettre... Bonjour Bernadette, comment ça va? Bienvenue! Nouvelle fan, quel plaisir! donc voilà, cet atelier en Zoom pour réaliser une douzaine de cartes, 6 modèles pour envoyer plein de cartes aux personnes qu'on aime fort. Voilà, le but c'est d'envoyer un maximum de cartes aux gens qu'on aime. Et donc je vous propose pour ça de participer à un atelier samedi. Je prends encore quelques inscriptions aujourd'hui et demain, mais on est déjà très nombreux. Donc voilà, c'est encore possible si vous voulez. Coucou Isabelle. Émilie, alors tu parles du live ou tu parles de l'atelier, ma belle? Coucou Coco, bon courage pour le dentiste, ma belle. Même si c'est pas pour toi, bon courage quand même. Alors, et je voulais vous annoncer une nouvelle, une petite nouvelle chose que je vous propose, qui est pour vous faire plaisir, concerne les lives. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je vous propose chaque semaine une troisième version de la création qu'on fait ensemble le mercredi. Donc vous avez la première version. Oui, Karine, il n'y a pas de souci. Renvoie-moi un petit mail, s'il te plaît, et puis je te ferai ça, je te renverrai le lien pour samedi, il n'y a pas de souci. Donc vous avez la première version quand je vous présente, en fait, que je vous annonce le live. Vous aviez la deuxième version, celle que je crée avec vous, d'accord? Et puis, je vous présentais une troisième version avec d'autres papiers, une autre collection, etc. Que je créais moi-même.
Mais j'ai envie de changer et j'ai envie aussi de vous mettre à l'honneur. Quand je vous publie la troisième version, c'est dans le but de vous inspirer, de vous montrer qu'on peut créer plein de choses avec un même projet de base. Voilà, on peut en faire plein de choses. Coucou Muriel, coucou Camille. Pas de problème ma belle. Eh bien, le changement va être celui-ci. Je ne vais plus faire la troisième version, mais vous allez la faire. Je vous explique. Je vous propose que... Coucou Vanessa, ça va ma belle? Je vous propose une chose. À la fin de chacun de mes lives, je vous laisse jusqu'à jeudi soir, donc le lendemain soir, pour publier votre création que vous aurez faite à la suite de mon live. Je vous invite à la publier donc en commentaire sous le live qui reste bien sûr sur la page Facebook. Ok? Et puis, ce que je vais faire, c'est que je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui auront publié leur création donc en commentaire sous le live. Ok? Et je lui offrirai la première ou la deuxième version de ma création du live. Voilà, j'espère que je suis claire. Peut-être que je referai une publication à ce sujet. Le but, c'est que vous puissiez vous aussi m'inspirer moi. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous m'inspirez. Vous m'inspirez par vos commentaires, vous m'inspirez par vos créations. Vous me motivez, vous arrivez à me booster. Voilà, et du coup, j'avais envie de vous le rendre d'une certaine manière. Voilà. Non, c'est pas un défi, c'est vraiment le plaisir de partager ensemble et puis voilà, de s'inspirer mutuellement et puis de se rendre compte que en fait, voilà, on peut faire plein de belles choses et il faut pas avoir peur de les montrer, au contraire, parce que vous avez toutes et toutes du talent, c'est évident. Et puis voilà, vous allez vous aussi m'inspirer et ça, je trouve ça super. Crapouillot, tu dis n'importe quoi. Merci Vanessa, c'est super gentil. Donc voilà, je vous répète les choses. À la fin du live et jusqu'à jeudi soir, vous publiez en commentaire votre création faite à partir de ce live. D'accord? Donc bien les mettre dans les commentaires sous le live pour que je les retrouve facilement. D'accord? Et puis je ferai un tirage au sort et je vous offrirai donc la première ou la deuxième version de ma création que je vous enverrai donc par courrier. Voilà, j'espère que l'idée vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Attention, aucune obligation, bien sûr. Le but est toujours de partager et de se faire plaisir. Ok? Donc vraiment, pas de pression. D'accord? Juste du plaisir, s'inspirer, partager et voilà. C'est simplement ça. J'espère vraiment que l'idée vous plaira. Alors, maintenant que tout ça est dit, je vois que les commentaires défilent les uns après les autres. Les chipiers et crapouillots, j'arrive plus à suivre. Vous le jure, j'arrive plus à suivre. Mais allez-y, ça me fait plaisir. Et du coup, je vais donc basculer la caméra. Merci Fatou. C'est dur pour toi, Cathy, de publier. Ouais, mais t'es douée en fait. Donc justement, ça va peut-être te booster un peu. Puis comme ça, tu recevras une carte supplémentaire de ma part. Voilà. Donc on va basculer, on va parler maintenant du projet d'aujourd'hui qui est donc une carte pop-up qui est en un plus grand format hop, et qui s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître une petite carte ici. Coucou Gwen, comment ça va? Ça fait longtemps dis donc. Alors attendez, hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Oh Mumu, t'es trop mignonne. Donc voilà, cette petite carte que je vous propose de faire aujourd'hui, vous allez voir, c'est super simple. Le petit mécanisme en fait à l'arrière, il est bête comme chou, vous allez voir. Je suis sûre que vous allez vous en sortir sans aucun problème. Là vous le voyez, hein, je n'ai pas beaucoup de secrets pour vous. Vous voyez que j'ai utilisé la collection Adorable Halloween. On s'en approche à grands pas justement d'Halloween. Je vous montre la collection, donc ça c'est le papier design. Merci Dominique. Dream, tu vas prendre cher. Ça y est, il commence à se battre.
Ah, bah bon courage du coup, Gwen. Ok, pas de problème pour le replay, ma belle. Donc, voilà le papier design de la collection Adorable Halloween. Oui, bien sûr, Lucie. Gros bisous à toi. Gros, gros bisous. À bientôt. La présentation ici est faite recto verso. À chaque fois, ça fonctionne donc par deux. Et le papier uni, bien sûr, vous le savez, je vous l'indique à chaque fois pour que vous puissiez coordonner tous vos papiers sans aucun problème. Alors, flamant fougueux, tarte au potiron, vert olive, horizon de bruyère et le noir, évidemment, vous en doutez. Je l'approche un petit peu plus près. Voilà. C'est pas trop triste hein, comme collection, du coup, c'est assez sympa, on va pouvoir s'amuser avec. Va falloir scraper pour pouvoir gagner une création d'harmonie. Bah écoute Muriel, si ça te tente, avec plaisir. Coucou ma Muriel, l'autre Muriel, comment vas-tu ma belle? Comme chaque collection, vous le savez, nous avons toujours, bien sûr, les tampons accompagnés. Et là, en l'occurrence, d'une perforatrice. Voilà un petit peu tout ce qu'il vous est possible de faire avec ces super sets de tampons. Donc vous avez vraiment la totale pour Halloween. C'est vraiment super. Vous êtes fous. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle le projet, une carte pop-up. Voilà, toute simple à faire. Pour laquelle vous pouvez ici ajouter soit du papier design, soit des petites photos. Et c'est ce que je vais prévoir pour ma deuxième création du jour. Si vous êtes nouveau et nouvelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et puis si la vidéo vous plaît, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à la partager. Aujourd'hui, ça ne sera pas Halloween, mais ça va être Noël. Bon oui, voilà, j'avais envie de travailler Noël. Merci ma Cathy. Ouais, je sais que t'es pas trop Halloween, mais du coup, voilà. Voilà avec quoi je vais travailler aujourd'hui pour la création du jour. Mais vous êtes fous. Coucou Maryse. Mais écoute, oui, ça va plutôt bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec la collection de papier Douce Impression. Ça, c'est un papier qui vous est offert dès 60 euros d'achat et ce jusqu'à demain soir. Donc, vous avez encore le temps de passer vos commandes, du coup, et de pouvoir recevoir ce papier. Alors, on est à fond, typique Noël. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Rouge et vert, c'est pas compliqué. Voilà. Les papiers coordonnés ici, cerise carmin, noir nu, rouge rouge, sable du Sahara. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'à l'écran, il fait un petit peu rose, mais non, non, c'est bien sable du Sahara. Et le vert jardin. Il va falloir trouver comment nous différencier. Oui, alors j'ai ma première filleule, Muriel, que j'appelle Mumu. Il y a Muriel Hervé qui me suit régulièrement. Et il y a ma deuxième filleule, Muriel. Que du bonheur. Effectivement, Muriel, il va falloir que je te trouve un petit nom pour te différencier. On est bien d'accord. Ce papier design, en fait, il est coordonné avec un lot qui est dans le mini-catalogue. Je vous montre ça. Tout de suite, à la page 26, il est coordonné donc avec ce super set de tampons et avec la perfo pour le petit renne. Et cette perfo, elle peut aussi vous servir à découper le fameux petit renne qui se trouve dans le papier design de la Celebration. Voilà. Vous avez toutes les infos. Donc là, j'essaye de vous montrer un petit peu. Peu plus près, voilà. Donc les messages sont en français, enfin les sentiments, pardon. Et voilà, il y a de quoi vraiment s'amuser, la biche et tout, c'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Et donc avec la perfo. Voilà. Donc ça, c'est, je rappelle, page 26 de votre catalogue. C'est ce qui est coordonné avec le papier design Douce Impression offert pendant la Celebration. Voilà, vous savez tout. Je vois écrit des morpions sur les commentaires. Ils m'épuisent tous.
On va pouvoir commencer la création de notre carte. Oui, le chien, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te faire sortir. On verra ça après. Huron. Alors, c'est parti. Je vais prendre mon papier. Je vais, comme d'habitude, vous afficher les mesures ici. Là, vous les avez ici. Mais bien sûr, j'ai eu grand plaisir et le grand bonheur d'avoir ma petite Sandrine qui est là aujourd'hui, qui m'avait tant manqué, qui avait beaucoup manqué aussi aux autres participants d'ailleurs, hein, il faut le dire. Oui, Muriel, il y a beaucoup de Muriel. Donc, s'il y a besoin, elle pourra aussi vous remettre les petites mesures en commentaire. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, c'est parti, nous allons démarrer. Je vais prendre. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont scraper en direct et qui feront en replay. Mais quand même. Hop, je prends ma petite feuille. Donc, pour démarrer la base de la carte, alors, on va attendre que mon zoom surface correctement. Ça serait cool. Ah non, ordinateur, tu ne fais pas de mise à jour maintenant. Merci. Voilà. Ah, ça y est, ça va mieux. Il vous faut pour la base de carte tout simplement une feuille A4. Ok, ça marche? Une feuille A4. Cette feuille A4, nous allons simplement la plier en deux. Donc la moitié de 29,7, vous avez l'habitude maintenant, c'est 14,85. Donc c'est parti. Hop, on ne se trompe pas de petit outil et c'est bien le plus clair et non pas le plus foncé pour plier, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Donc ma carte est pliée en deux. Hop. Je vais former mon pli correctement avec mon plioir. Voilà. Et maintenant, je vais couper juste un petit morceau. Ouais, je sais, c'est trouble, mais ça passe, Mumu, t'inquiète. Coucou Isa, j'espère que tu vas bien. Je commence tout juste. Et normalement, j'ai mis aussi les sous-titres automatiques. Donc, c'est pas toujours très français avec les sous-titres de Facebook, mais normalement, ça devrait t'aider. Donc, j'ai ma feuille A4 qui est pliée en deux. Ok. Et je vais venir donc poser le bord long ici sur mon coupe-papier et je vais venir couper à 15 cm. 15 cm. Alors Karine, la feuille A4, on l'avait donc pliée en deux, on a posé la partie la plus longue sur notre coupe-papier et on a coupé à 15 cm tout simplement. Ça, c'est notre base de carte qui va rester telle quelle. Ok? Ok. Alors, voyons voir si je rappelle par exemple Gazelle. Voilà. Peut-être qu'elle va nous retrouver. Alors, moi, j'ai réussi normalement à la taguer. Bon, après, il y avait d'autres participants qui ont dû abandonner. Je suis vraiment sincèrement désolée pour elles. J'espère qu'elles pourront accéder facilement au replay par la suite. Bon, alors. Nous allons continuer. Avant de passer à toutes les parties déco, on va faire ce qui est pas le plus compliqué, mais ce qui peut pour certains ou certaines paraître être le plus compliqué, c'est-à-dire juste le petit mécanisme qui va se trouver ici, voilà, pour maintenir la petite carte là. D'accord? Vous êtes prêts? Bien. Alors, oui. Tu peux enlever le chien? Merci beaucoup. Pour cela, vous allez prendre dans le morceau de papier qui vous reste un morceau de papier uni. Et je vais vous montrer le schéma, hein, bien sûr, vous le savez. Karine, t'as pris Noël, du coup, super. Hello Elsa, comment tu vas? Bah du coup, t'as peut-être pas vu la première partie, mais t'arrives à la deuxième, c'est pas mal non plus. Tout le monde va bien, merci beaucoup. Alors, on attaque le petit mécanisme. Oui, alors, Karine, toutes les mesures sont ici, d'accord?
Je vais tout de suite te donner les mesures pour le mécanisme sans aucun problème. Donc, le schéma, voilà, ça c'est le gabarit de ce que nous allons faire tout de suite. D'accord? Donc vous voyez, ça va être très simple. Ok, il va falloir faire des marques à 3 cm ici et ici, faire 3 plis là et là, et puis en fait marquer un pli ensuite en triangle. On va le faire ensemble, bien sûr, pas de panique, tout va bien. Ouais, Cathy, je suis d'accord et ça fait des semaines que ça dure. Coucou Fabienne. Une petite pause, c'est très très bien. Mais j'espère que cette petite pause va vous faire du bien du coup. Alors, ce morceau de papier pour le gabarit mesure. Je suis en train de vous dire des bêtises. Non, c'est bon. 10 cm. Donc 10 cm par 5 cm. 10 par 5. Ok? Donc ça, vous pouvez le couper, bien sûr, dans ce qui vous reste du petit mécanisme. Coucou maman! Donc, 10 par 5 cm. Ok? Alors, j'avais mon petit bout de papier qui était là, voilà. Donc, je vais prendre, en fait, dans ma chute. Hop. Donc, 10 par 5 cm. Voilà. Je vous remets le petit gabarit ici. Donc, je positionne mon papier avec le bord long sur le haut. Je fais un premier pli à 1 cm. 1 cm. Un second à 5 cm. Ok. Et pour le pli du côté, en fait, hop, ça va être plus facile. Je vais le faire ici, 1 cm également. T'as vu Cathy? Ben non, aujourd'hui c'est maman. Donc au final, ça veut dire que là, nous venons de faire donc un pli de 1 cm depuis la gauche, un autre pli à 5 cm, et ensuite un autre pli depuis le bord droit de 1 cm. Ok? Ça marche? Ensuite, je vais mettre mon coupe-papier de côté. Voilà, je vais prendre mon Stampin' Pierce, ça sera plus facile. Je vais venir faire mes petites marques, hop, 2-3 cm justement, pour ensuite dessiner mes triangles. J'ai perdu mon crayon. Hop. Voilà. T'étais trop habituée, Cathy, c'est clair. Bonjour Nicole, comment ça va? Alors, vous voyez, ici, j'ai mon pli au centre de 5 cm. Donc ici, vous ne voyez pas forcément sur mon papier, mais d'où l'intérêt d'avoir le gabarit sous les yeux. Je vais tout simplement, depuis le pli du centre, faire une marque à 3 cm de chaque côté. Donc 3 cm hop, à gauche du pli central et 3 cm à droite. C'est juste une petite marque. D'accord? Ça bug le Béatrice. Non, ça bug. Tonton va devoir rendre des comptes. Ouais, je vais lui dire. Donc, je répète, je me positionne sur mon pli du centre qui est à 5 cm. Et je viens faire une marque à 3 cm à gauche de ce pli et à 3 cm à droite de ce pli. Ok? Ça marche? Et je vais faire la même chose, donc cette fois en me positionnant toujours à mon pli de 5 cm, okay, pour venir faire le point qui est ici, toujours à 3 cm, mais on part du bas. D'accord? On part du bas et on vient de faire une marque à 3 cm sur la ligne de pli. Ouais, maman m'a envoyé plein de photos de moi quand j'étais petite tout à l'heure. Ça fait un choc, les amis. Alors, je positionne à 3 cm et je fais, pouf, ma petite marque. Ok? Et là, en fait, simplement, il vous suffit de rejoindre ces plis
c'est rejoindre ces points pour former un triangle. Regardez, hop, donc on a la marque à 3 cm depuis ici, la marque à 3 ici, la marque à 3 ici en partant du bas, et je viens donc avec mon outil marquer les plis en rejoignant le point du haut au point de droite et le point du haut ici en rejoignant le point de gauche. Ok, c'est 3 cm à chaque fois. Ok, alors vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Donc c'est parti, je fais mes petits plis. Voilà, je viens marquer. L'avantage du Stampin' Pierce là en dessous de ma mousse, c'est que du coup, je marque plus facilement mes plis. Voilà. Je fais pareil ici en rejoignant mes deux points. Alors, s'il y en a qui font la création en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si ce n'est pas clair pour vous. Karine, c'est bon pour toi? Génial. Je crois que tu es une des seules, Karine, à le faire en direct. Pardon. Voilà, donc ça y est, notre petit mécanisme est fait. On n'a plus qu'à marquer les plis tranquillement. Et tout simplement, donc le triangle, il va rentrer hop, à l'intérieur. Donc on y va tranquille hein, pour lui faire prendre la forme tranquillement. On ne veut pas déchirer le papier, bien sûr. Voilà, hop, donc le mécanisme, vous voyez, ça rentre à l'intérieur, ok? Qu'est-ce que je vois là dans les commentaires? Harmonie nous mettra ses photos sur le projet. Bah voyons! Tu rigoles, Titia? Tu veux que je mette des photos de moi petite sur le projet? Non mais rien à voir! Trop stressant en direct, Martine? Il n'y a pas de problème. C'est pour ça aussi qu'il y a le replay. Ouais, Cathy, je sais que c'est insupportable. Merci de le faire. Mais c'est vrai que, voilà, c'est une vraie plaie. Hop, donc là, ça y est, on a notre petit mécanisme. Donc, je vous remonte sur la carte de base. Hop, voilà. En fait, on viendra simplement entrer, pouf, comme ça, notre carte que l'on va créer maintenant. Bonjour Simone, bienvenue, j'ai pas le souvenir, je crois, de vous avoir déjà vu. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et aujourd'hui, je vous rappelle, on crée une carte pop-up, toute simple, grand format, avec une grande place derrière pour même écrire à plusieurs un petit message si on veut. Ok, on a notre base de cartes qui est faite. On a notre petit mécanisme qui est prêt. Ça, c'est fait. Le reste, vous allez voir, est hyper simple. Nous avons besoin d'un morceau de... Oula, on voit plus rien. Un morceau... Ah, bah Simone, j'espère que ça va vous plaire. Alors, vous ferez attention, le replay sera en deux morceaux. Alors, la caméra a décidé de bugger aussi, puisque j'ai eu une coupure caméra. Voilà. Et du coup, ça a disparu. Voilà, ça y est, ça revient. C'est magique! Aujourd'hui, un petit coup. Oh, Christine, c'est adorable! Je vous regarde souvent en replay. Aujourd'hui, un petit coucou en direct pour vous dire que vos créations sont superbes. Ça, c'est adorable. Merci beaucoup, Christine. Du coup, ça me fait plaisir que vous soyez là en direct pour une fois. Et puis, j'espère que ça continuera à vous plaire dans le temps. Ouais. Dis donc, Cathy, t'es pas obligée de lui donner des bonnes idées. C'est pas parce qu'elle a presque le même prénom que toi que vous devez en profiter pour poster des photos de moi. Hein? Non mais, et puis quoi encore? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, hop. J'avais tout perdu. Voilà. Alors. La petite carte à l'intérieur. Bon, je sais, c'est un petit peu laborieux aujourd'hui, mais entre les marabouts, les coupures de logiciel, les problèmes de réseau, je vous assure qu'il faut que j'ai les nerfs accrochés aujourd'hui. Hein. Je commence à avoir chaud et tout, c'est la totale. La petite carte intérieure. Il vous faut un morceau de papier uni de la couleur de votre choix qui mesure
20 par 10 cm, que l'on va plier tout simplement à la moitié sur le bord long. Donc 20 divisé par 2, ça fait 10. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Hop. Donc je vais faire mon pli. Voilà. Et puis on va commencer la déco pour pouvoir ensuite faire le montage. Ah oui, ma Cathy, t'inquiète pas, je suis zen. Hein. C'est juste que c'est à la one again. Bon, c'est pas trop mon style, hein, mais après tout, voilà. On fait avec ce qu'on a et comme on est. Hop, bien. Donc cette petite carte pliée en deux, voilà, on se retrouve avec une carte toute simple, en 10 par 10, tout bête. Bien, alors, je vais reprendre ma grande base de cartes pour commencer à la décorer, puisque là, vous voyez, hop, que le mécanisme et tout sera posé sur mon papier ici. Donc, je vais commencer par l'intérieur. Et pour cela, je prends mes papiers. Il vous faut, ça c'est l'extérieur, deux morceaux de papier uni de matage, d'accord, qui mesurent 14,5 par 14,3. Ok, donc ces morceaux de papier vont simplement venir se coller à l'intérieur ici. 14,5 par 14,3. Merci Martine, ça fait du bien. Ok. Par-dessus, il faudra bien sûr du papier design. Donc je vous l'ai dit, douce impression. Est-ce que vous le voyez bien là? Avec les jolies petites rennes, sable du Sahara. Il vous en faut deux qui mesurent pour leur part 14 par 13,8. Gazelle, la base de quoi, ma belle? La base de la carte en elle-même? Ou le matage? Oui, Elsa, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Bon après-midi, bonne balade. Donc là, tout simplement, je vais venir coller tout ça. Voilà, donc c'est tout bête, c'est tout simple. C'est le moment où vous pouvez vous lâcher et vous moquer de moi pendant que je suis en train de coller. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Je viens coller mon papier design. Vous avez vu comme ça ressort super bien. Voilà. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué, je vous disais, hein, ce qu'on a fait de plus compliqué, entre guillemets, c'est vraiment le petit mécanisme. Marotine, on attend les photos. Oui, oui, vous inquiétez pas, je pense qu'elle est en train de s'en occuper, les photos. Dis donc, crapouillot, t'es pas obligé. Oh, le vilain. Tu es vilain. Une photo, maman, Harmonie Marais, pour combler. Non, mais je vous jure, vous êtes insupportable. Et si vous saviez comme je vous aime fort pour ça aussi. Je n'ose imaginer ce que va donner le Zoom de samedi. Avec toute cette folle équipée. Mon Dieu. Hop. Voilà. Tu voulais que je me moque, mais non, j'y tenais pas particulièrement en fait. Hein. Voilà, ça, c'est bon. Ok, donc ça, ça sera l'intérieur de ma carte. Je vais faire l'extérieur. Après, je viens m'occuper de la petite carte, d'accord? Et pour cela, vous avez compris, il nous faut toujours soit du papier design, soit des photos, mais d'abord le matage. Donc j'ai pris la même couleur, un peu de colle sur les doigts. Si, si, toujours. Pff, si, si, j'en ai toujours un peu, c'est évident. Dès que je retourne la carte pour aller la poser, je m'en mets, c'est systématique. Donc deux morceaux de papier de matage unis, 9,5 par 9,5, pour l'intérieur de cette petite carte nette. Ici.
Donc je viens coller. Et une fois que vous aurez collé votre matage, eh bien, vous tout simplement vous décidez si vous souhaitez mettre du papier design ou des photos. Des photos de toi, les petites fesses à l'air. Maman Harmonie veut une photo de nous. Je vous jure. Je vous jure. Vous n'êtes pas croyable. Drin drin, ça se paiera ça, hein, je te préviens. Hein. Hop, voilà. Donc là maintenant, il vous faut deux morceaux de papier ou deux photos de 9 par 9. Moi j'ai décidé pour cette version donc d'envisager les photos. Voilà, donc j'ai pris deux morceaux de papier blanc. Ok. Hop, où j'ai tamponné l'image de photo, d'un appareil photo. Pour dire que je vais poser mes photos ici. Donc 9 par 9. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Voilà, voilà. Comme ceci. Donc tout simplement, voilà. Ça va donner assez sympa, je pense, que du coup, ça va pouvoir s'ouvrir sur deux photos. Ça peut vraiment être très sympa. Alors, maintenant, nous allons poser donc notre petit mécanisme. Oui, je l'ai recoupé, mais je l'avais déjà préparé en fait. C'est juste que je ne l'avais pas trouvé. Je vais prendre mon mécanisme. Je vais remarquer correctement mes plis avec mon plioir. Voilà, hop, on n'oublie pas que le triangle rentre à l'intérieur. Donc là, pareil, je marque bien mes plis. Hop, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Coucou Monique, comment ça va ma belle? Oui, t'inquiète pas, le replay, il n'y a pas de souci. Il faudra peut-être aller le chercher sur YouTube ou sur mon blog, parce que sur Facebook, il va être en deux temps. Il y a une coupure. Donc je te rappelle, aujourd'hui, on fait une jolie carte pop-up, toute simple. Donc ma petite carte là, je vais la fermer. Voilà. Donc on fait attention hein, au sens de l'ouverture. Je prends mon petit mécanisme qui est là. Et en fait, tout simplement, je vais venir mettre de la colle donc à l'intérieur de ces fameux triangles là. D'accord. Et je vais venir coller directement donc sur cette petite carte en me mettant vraiment au bord, voilà, au bord ici de la pointe et pareil ici, d'accord? C'est ce qui permettra de l'ouvrir, ok? Quoi, Drindrin, tu trouves ça compliqué? C'est pas compliqué! Donc je viens mettre la colle sur mes triangles ici à l'intérieur. Voilà, hop, je vérifie toujours que ma carte est dans le bon sens et je viens coller ce petit mécanisme, voilà, ici. Oh, vous vous moquez, c'est pas possible ça, hein. Voilà, donc on fait attention hein, que la colle imprègne bien le papier de part en part, voilà, hop, ok, voilà, ça m'a l'air pas mal, voilà, donc maintenant on va coller tout ceci, hop, sur la carte, donc je prends ma grande base de carte, oui, et on colle pas les doigts, on est d'accord. Je vais avoir ma carte ici, ouverte. D'accord? Donc on est bien sur l'intérieur de la carte ici. Je vais positionner comme ça hop, mon mécanisme. Donc là, en fait, on va s'assurer. Alors vous ne le voyez pas bien ici. Attendez. Je vais mettre ça en dessous. Du coup, vous verrez mieux. Voilà.
Ça, vous voyez que j'ai ma base de cartes blanche quand même. Donc, je vais venir coucher ma carte ici, d'accord, en l'inclinant un petit peu, pour m'assurer que le haut ici, on monte le bas avant de coller. Karine, j'ai pas compris ton message. S'assurer que la pointe haute de la carte ne va pas déborder de ma base de carte. D'accord? Donc on fait attention à ce que ça s'arrête bien ici. Ok? Là, on peut monter jusqu'à peu près au papier design, mais pas plus. Non, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il faut prendre le temps. D'accord? Je repars. J'ai ma carte ici. Elle est fermée. D'accord? Là, j'ai mon mécanisme qui est à l'arrière. Je viens coucher ma carte ici sur la partie droite. D'accord? Je l'incline un petit peu. Je m'assure que ma pointe haute, vous voyez quand elle s'ouvre comme ça, que ma pointe ici ne sorte pas de ma base de carte. D'accord? Ça paraît logique parce que du coup, quand c'est, vous voyez, ici, hop, sinon ça déborde et ça ne fait pas très joli. Ah, bah c'est trop tard, il est collé. Mais du coup, je peux le remontrer sur mon modèle. Bouge pas. Donc, en fait, il faut juste pas que ça déborde de la base de carte. Ok? Oui, la hauteur, on s'en moque, en fait. Puisque du coup, tout ce qu'on veut, si vous la positionnez comme ça à l'avance, vous voyez que ici, ça va pas déborder. Ici, vous avez de la marge. Et pareil en haut. Donc, aucun souci. Ce que je peux vous conseiller quand même, c'est de ne pas le mettre trop bas, d'accord, puisque du coup, vous aurez peut-être un peu plus de recul au moment de l'ouverture, d'accord. Donc, poussez à genre 2 mm votre pointe ici de la base de carte, ok, et puis inclinez-le comme vous voulez du moment que ça ne déborde pas de nulle part. Si une fois posé comme ça, vous voyez que ça déborde nulle part autour, il n'y aura aucun problème pour l'ouverture et le collage. Ok? Donc là, ça y est, il est positionné. Oui, c'est pas mal, Ticia. Oui, t'as raison, si tu veux que ça déborde, tu laisses déborder. Donc là, maintenant que je sais qu'elle est plutôt bien positionnée, donc je vous remontre ici, vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Donc c'est collé sur la partie droite et ici sur la partie gauche. Donc là j'ai couché ma carte, ok, donc je vais venir coller cette partie là. Donc là elle est bien positionnée, c'est bon. Donc je vais mettre de la colle sur le petit pli qui est ici vers vous. Voilà. Hop. Là je préfère mettre de la colle pour faire des petits ajustements rapides si nécessaire. Maintenant que ma colle est posée, ma carte, je m'assure que rien ne déborde, c'est parfait. Je vais rabattre ici, hop, pour venir coller le pli sur la partie intérieure gauche de ma carte. Ok? Voilà. Hop, déjà, ça se tient bien. Je vérifie ici, c'est pas mal, parce que du coup, je constate également que ma pointe ne déborde pas de ma carte. Donc c'est nickel. Et puis là, il reste simplement à venir en coller donc le deuxième pli. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hop. Voilà. J'ai mis cette colle, donc pas vraiment. Il faut que ça tienne. Oh Fabienne, je t'envoie plein 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 de courage. Du coup, alors, Laetitia et Fabienne Hendrix, vous avez un lien toutes les deux? J'allais prendre ma souris pour mon téléphone. Et là, bah, même principe, hop, je rabats la partie droite intérieure et je colle. Et du coup, en ouvrant, tadam, c'est magique.
Ah bon? Bah du coup, je me faisais la réflexion, Ticia, parce que ça s'écrit presque pareil, mais pas tout à fait. Donc j'ai une Fabienne Hendrix et une Laetitia Hendrix. Et j'ai trouvé ça marrant. C'est pas commun. Et voilà, du coup, vous voyez, rien ne déborde, rien ne dépasse. Hop! Et du coup, on peut imaginer des belles photos qui vont être découvertes ici. C'est bon, tout le monde? Ça a été? Vous pourrez revoir le replay tranquillement, mettre pause sur la vidéo et tout, il n'y a aucun souci. Drin Drin, ça te plaît, moi je fiche. Je trouve ça sympa aussi, hein, l'idée de mettre des photos. Ah non, pas de lien, Fabienne. Bon, bah voilà, hein. Tadam, harmonie et fesses en l'air. Vous êtes insupportable. Crapouillou, est-ce que tu es en train de scraper en même temps? Dis-moi, toi. Ok, bah maintenant il reste la déco de la carte à l'avant. Tout simple. J'ai commencé, hein, heureusement, parce que du coup, un morceau de papier, couleur unie, mattage, 14,5 par 14,3. C'est la même dimension que le mattage à l'intérieur. Voilà, donc je vais venir le coller ici et je vais vous montrer tout de suite après la déco. De rien, Daniel, j'espère que j'ai été claire. Je sais que vous appréhendez toujours un peu ce genre de petit montage, mais finalement, c'est pas compliqué, hein. C'est bien, c'est une carte de bonne année avec des photos pour les loups, papier et mamie. Ah, super. Il en faut bien pour remonter le niveau. Ah, ça c'est bien, mon crapouillot. J'ai hâte de voir. Donc, mon matage est fait. Ouais, il est super calme. C'est vrai, c'est pour ça que je l'ai sollicité un petit peu là. Voilà. Et donc, pour ma déco, j'ai utilisé le set de tampons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est coordonné au papier. Je vais mettre ça de côté. Je vais les coller après, vous allez voir. Hop. Pof, pof. Petite reine, petite étiquette, je vais déjà vous montrer ça. Alors ici, j'ai simplement tamponné première génération, deuxième génération, donc avec le vert jardin, ce qui signifie que j'ai d'abord, là, tamponné mon sapin enfoncé, donc une fois dans mon encre, directement sur mon papier. Pour celui-ci, je l'ai tamponné une première fois sur un brouillon et ensuite sur ma feuille. Voilà, donc ça c'est pareil, ça fait partie donc du set de tampons qui est coordonné à la collection, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est les petits sapins qui sont ici et je me suis servi de ces petites étoiles aussi que j'ai tamponnées. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, hop, en béguin bleu, en piscine partie, pardon, à l'arrière pour faire un petit fond assez sympa. Donc ça va venir ici, déjà ça habille trop bien. Et puis j'ai tamponné en brune dune, si mes souvenirs sont bons. Vert jardin, piscine partie, ma bichette. Ici, brune dune pour cette petite biche ou ce futur petit cerf, paix, amour et joie, que je vais m'amuser à coller comme ça, un petit peu dispersé. Hop. Donc, ils sont parfaitement bien découpés grâce à la perforatrice. Et avec la perfo, on a bien sûr, si j'arrive à les attraper, voilà, on a les bois de serre. Voilà. Ah, bah super, Ticia, tu m'étonnes. Donc, on va lui mettre ces petits bois. Voilà. Et puis, pour le côté un petit peu plus fun, alors, je vais essayer de ne pas les perdre, j'ai failli les perdre deux fois. J'ai découpé, toujours grâce à la perforatrice, hop, vous voyez le petit rond qui est ici, un petit rond rouge pour lui mettre au bout du museau. Et voilà, ça va venir comme ça. Bien sûr, un petit sentiment. Donc le papier brune dune. Le message, pareil, qui fait partie donc du set de tampons que j'aurais dû sortir, ça aurait été plus pratique, mais bon, c'est pas grave. Qui vient, lui, d'un autre set de tampons que j'ai avalé, mais qui sera sur mon blog. Voilà, et donc que je vais tout simplement venir coller ici. Coucou Laurence, comment ça va, ma belle? J'ai débordé un petit peu aujourd'hui. Voilà, j'ai plus qu'à coller tout ça.
Hop, c'est parti. Je prends donc mes petits dimensionnels pour donner un petit peu de hauteur. Hop, à mes petits rennes, du coup. C'est un renne clown et pas une reine Claude. C'était naze. Hop, voilà. Je fais attention au petit nez là, parce que il est capable de se faire la malle. Il sort de chez Avatar. Tu regrettes de ne pas avoir pris le chalet. Ah oui. Bon, en même temps, c'est pas trop tard, je crois, ma belle. Hop, le deuxième. Voilà. Maintenant, les petits bois. Oh, je sens que ça se charrie, là. Il y en a une qui demande à l'autre si elle a avalé le nez du clown. Ça promet. Alors là, clairement, je me mets de la colle partout. On est bien d'accord. Voilà. Je lui colle aussi ces petits bois ici. Du coup, on est encore dans une version totale différente. On est d'accord. Hop. Voilà. Bah écoute Laurence, t'as raté le début, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, il y aura le replay, puis du coup tu vois, je suis un petit peu en retard, donc tout va bien. Bonjour de passage, je regarderai en replay. Oui Nathalie, coucou, pas de problème, pas de problème, faudra le récupérer sur ma chaîne YouTube, il sera en un seul morceau. Hop, mais il faudra regarder parce que du coup je lance une nouveauté Nathalie. Hop, je vous fais gagner une des créations... chaque semaine. Alors là, le petit nez. Hop. Que du bonheur. Voilà. Oh, c'est trop choupinou. Hop. Si j'avais pris... Ouais, mais je l'ai pas là. Elle va faire partie d'un album bébé que je suis en train de faire. Ah, super Marianne. Génial, super bonne idée. Hop. Ici. Allez, sois gentil, pose-toi tranquille. Voilà. Ils sont pas mignons ces deux petits choux là. Je vais enlever ça. Voilà. Cherchez pas, elle sera pour moi la créa. Ok, je colle maintenant mon étiquette avec mon petit sentiment. Gagner une création chaque semaine, j'aurais vraiment dû regarder le début. Alors, Elsa, je te réexplique. D'habitude, je publie chaque semaine une troisième version de la création du live. Mais j'ai expliqué que vous aussi, vous m'inspiriez par vos créations. Et du coup, j'avais envie de vous mettre à l'honneur. Donc, je vous propose chaque semaine, pendant quelques temps, on va voir si vous adhérez à l'idée ou pas, de poster votre création en commentaire sous le live. Vous savez, jusqu'à chaque jeudi soir pour le faire. Et ensuite, je fais un tirage au sort pour vous faire gagner donc une des deux versions de ce fameux live. Donc cette semaine, ça sera ou la version Noël que je suis en train de terminer, avec la possibilité de mettre une photo, ou alors la version Halloween. Ça sera au choix. Voilà, voilà. Zou! Et voilà! On a réussi. Ma carte pour le swap, hein, pour le swap part demain. Ok Ticia, je ne sais plus du tout avec qui tu étais en binôme, mais il n'y a aucun problème ma belle. De toute façon, on sait très bien qu'on est tous surbookés à la rentrée, donc pas de panique, tout va bien. Hop, t'as jusqu'à jeudi soir Cathy, donc pas de panique. Hein. Et ben voilà, ça y est, elle est finie. Oh, merci Simone, c'est trop gentil. Ah bah écoute Elsa, je suis contente que l'idée de l'inspiration partagée te plaise. Du coup, j'ai hâte de voir ta création. Donc, hop, je vous remontre ces fameuses deux versions. Donc là, pour le coup, question envoi à la poste, il faudra que vous prévoyez parce que c'est un petit peu lourd. Hein, donc ça sera plus qu'un timbre, ça c'est certain. Et il faudra prendre une carte, enfin une enveloppe en format 16 par 16. Ok. Merci Crapouillot.
Merci Sandrine. Coucou Hélène, je t'avais pas vue. Donc la version Halloween, je sais pas si vous aviez vu, mais j'avais, on la voit pas bien là, décoré, voilà, j'avais utilisé mon Wink of Stella pour donner un petit peu de paillettes à l'étiquette de la version Halloween. Merci Gazelle. Voilà, donc la version Halloween, comme ceci. Et puis du coup, on a la version Noël avec les papiers Celebration. Hop, avec nos petits rennes. Voilà, et la possibilité de mettre deux photos ici. Ah, Ticia, je suis contente. Mais ouais, faut pas avoir peur des cartes pop-up. Il y a des mécanismes où c'est un vrai casse-tête, mais il y en a où c'est vraiment très simple. Tu vois là, franchement, c'est easy, hein. Voilà. Et puis du coup, vous avez largement la place, hein, de mettre un petit mot derrière. Donc, la personne qui gagnera une des deux créations me précisera si elle veut l'utiliser pour l'offrir à quelqu'un ou si elle veut que je lui mette un petit mot personnalisé à l'arrière. On verra ça ensemble. Merci Martine. Voilà ces deux versions. J'aime bien les deux en fait, hein. C'est complètement différent, j'aime bien les deux. Voilà, ça y est, ce live prend fin, qui était un petit peu plus long que d'habitude. J'en suis vraiment désolée, Simone, je suis contente que vous ayez passé un bon moment. N'hésitez pas à revenir, Simone, chaque mercredi à 14h, je fais un live. Voilà, donc on peut se retrouver ici chaque mercredi après-midi avec grand plaisir. Pas de stress, une dédicace de star, ça va valoir cher bientôt, non mais n'importe quoi. De rien, merci beaucoup Nicole, c'est adorable. Bien compliqué pour faire en live car beaucoup de coupures, je finirai en replay. Bien sûr, pas de soucis Rachel, t'en fais pas. Christine, ah merci Christine, je suis contente que ça vous plaise. Pourquoi la mienne ne s'ouvre pas entièrement? Gazelle, peut-être que tu n'as pas assez écarté en fait par rapport à ton mécanisme. C'est possible, mais c'est pas dramatique en soi, hein, parce que du coup, voilà, ça permet aussi de bouger la carte et de la mouvoir un peu, donc il n'y a pas de souci. Oui, bah ouais, c'est le réseau, malheureusement. Oui, je finis, t'inquiète pas, j'ai tout noté. Karine, super, du coup, il y aura sur mon blog, vous allez retrouver aujourd'hui ou demain, ça va dépendre du temps de téléchargement, la fiche technique. La vidéo en un seul morceau et vous la retrouverez aussi sur la chaîne YouTube en un seul morceau. Ok? Donc n'oubliez pas de publier en commentaire si vous avez envie de participer au tirage au sort. Publiez, publiez, même si ce n'est pas pour gagner la carte, mais partagez votre inspiration, partagez vos créations, qu'on puisse continuer à échanger même après le live. Ok? Ok, pas de soucis, Gazelle, avec plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir été patiente avec ces patients avec ces problèmes techniques. De rien, Hélène, merci beaucoup. Je le plie à peu près à combien du pli central? Alors, par rapport au pli central, là, je suis à 2,5 cm. Attends. Je suis à 2,5 cm à peu près. Voilà. Pas de soucis, Laurence, prends ton temps. Merci Christine, c'est adorable. Alors voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez du plaisir, éclatez-vous, partagez, inspirez-vous les uns les autres. Et puis on se retrouve donc à samedi pour certains et d'autres pour les autres mercredi prochain à 14h. De rien, ma petite Ticia. Gros gros bisous à tous. Merci Chippy, les Chippy, merci Crapouillot, merci vraiment à tous d'avoir été là. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao tout le monde!